need some water. Et on se lève, buvons. On a de l'eau ? Oui, on a de l'eau. Et on se lève, bienvenue, nouvel épisode sur Billy Weekend. Donc la dernière fois on a fait un épisode qui était un peu long, ça arrive de temps en temps. C'est de plus en plus rare, mais il y a des exceptions. Attendez, ça, ok, c'est bon, ça marche, ça fonctionne. La souris fonctionne. Donc on est en pleine forme, il fait bien, ok, c'est midi. À peu près, on a ça. Je crois qu'on est bon, hein. Je crois qu'on peut tout simplement partir. Là, on a des ressources, fait exprès. On a ça. Les flèches, on va les garder sur nous, évidemment, hein, parce que... Enfin, les pointes de flèches, en tout cas. Parce qu'il faudra faire des flèches qu'on campera là-bas. 35 allumettes. C'est même un peu trop, j'ai envie de dire. On peut en balancer 15, honnêtement. M'étonnerait qu'on en ait besoin d'autant. Ok, ça on est bon. On a beaucoup de... Ouais, on a beaucoup de ça. On va les faire à un moment ou à un autre. Bon, le temps est bon. Est-ce qu'on a de la nourriture? Ah oui, on a... Ouais, on a ça. Ah oui, ça. Ah, très bien. Viande de loup cuite, fraîche, très bien. Parfait. On y va. C'est quoi ça ? Ah oui, il y a des corbeaux partout, parce qu'il y a des cadavres un peu partout. Ok, donc le but là, c'est de honnêtement partir direct. Donc pour le canyon descendre. On va pas s'arrêter, rien. On fonce, canyon descendre. Les plumes, si jamais il y en a. Très bien. On a de l'eau, on a un peu de viande, et après on a plein de calories avec n'importe quel type de nourriture qui nous reste. Donc on va au canyon descendre. Ça va pas prendre très longtemps. Et le but du jeu, ça va être de s'installer en fait au canyon descendre directement. Alors je sais pas. Alors je sais que quand on va arriver dans la zone, je crois qu'il faut aller vers le côté gauche. Honnêtement, il y a un truc qui m'embête dans le jeu, je l'ai dit plusieurs fois. J'aime tellement pas, genre, dire ouais on va à gauche, on va à droite. Parce qu'on est dans des expéditions en fait, où on est un peu perdu, paumé. Mais vu que les points cardinaux ne fonctionnent pas dans le jeu, si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez aller voir les cartes. En fait, les points cardinaux changent par rapport aux cartes. Et des fois même c'est même inversé et tout, c'est très étrange. Mais bon, enfin bref, tout ça pour dire que j'aimerais bien dire on va aller au nord et tout, au sud et tout machin, genre à 90 degrés et tout. Mais ouais, droite-gauche, hein, droite-gauche. Donc en tout cas, quand on sera... Faut faire attention parce qu'il y a des loups et il y a même un ours qui traîne. Mais ouais, quand on sera dans la zone, il faudra partir sur le côté gauche. Et je crois que... Après, il y a une corde pour... On va prendre du bois, par contre. Pour, au cas où, faire un peu de feu pour nous réchauffer. Je vais pas trop parler. Je vais faire des blancs, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'animaux ici. Je vais faire gaffe. Ah, il y a un ours juste là. Là-bas, il y a des caisses de fret. Ça, je m'en rappelle. On peut y aller, mais je crois qu'il y a des loups aussi. Ouais, l'ours est juste derrière la petite montée, là je l'ai vu et puis on l'entend. Je voudrais pas qu'un loup me fonce dessus, ouais, il a l'air d'être bon. Oh, là-bas on a les bois intéressants, je crois que c'est pour faire des flèches, on va peut-être y aller à la limite. C'est quoi ça ? Ok, non ça va alors, on est bon. Si on a ça pas loin, ça va. Voilà le loup là-bas. Alors, on a un peu froid. Je voulais faire du feu dans la grotte, mais bon. Est-ce qu'on peut passer par là? Je me rappelle plus honnêtement.
me rappelle plus vraiment. Ils sont là les bois. Je crois qu'il faut remonter par ici. Mais oui, qu'est-ce que je vais dire? Donc, oh merde, tu me fais chier. Ah, tu me fais chier. Toi. Ça, c'est important pour faire des flèches. Ça, ça nous intéresse. Il faut une scie pour ça. Il faut découper, en fait. Et je crois qu'il y a deux parties. Non, certaines, il y a deux parties. Ouais, il y a deux parties. Il y a des choses rares. Hein. Il y a des choses rares, comme là, on a pu voir. C'est vachement bien. Okay. Normalement, il n'y a que deux parties. Je me rappelle, à une époque, je pensais qu'il n'y avait qu'une seule partie. Donc, du coup... Du coup, c'était ballot. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est trouver un petit endroit pour se reposer. Et se réchauffer, surtout. Et on fait des tisanes. Ou même la nourriture, là, qu'on vient de trouver. Ah, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ça nous fait des calories et... ça nous permet de nous réchauffer en même temps. Ouais, non, il fait pas assez beau pour utiliser la loupe. Je prends ça. On est un peu lourd, hein. On est un peu lourd maintenant. Je crois que cet endroit est plutôt safe, dans le sens où il n'y a pas de loup dans les tunnels. Enfin, c'est pas des tunnels, mais on va dire que c'est des petites crevasses. On peut faire un feu là-dedans. Je vais bien aller au cadavre, voir si c'est pas une carcasse. Parce que si c'est une carcasse, on peut prendre de la viande. Je crois qu'il faut qu'on descende. Mais... Je suis en train de me dire. Je crois que j'ai pris une mauvaise route. Je crois qu'il faut qu'on soit en bas. Yes. Bon, c'est pas grave. J'hésite un peu. Mais je crois qu'il faut qu'on soit en bas. Le pont là qui était en dessous, enfin la crevasse qui était en dessous du pont, c'était là qu'on devait aller. Et voir si on a assez de... Non, zéro, ok. Pas de problème. Espérons qu'il fasse pas de... De vent. Mais en fin de journée, ça devrait aller. Ouais, par contre, je pense qu'on va devoir peut-être revenir en arrière, je sais pas. On va voir. Alors, on va faire ça. Ça. Ouais, il fait pas assez chaud. Minutes. Nickel.
Très bien. Oh, attendez, que je réfléchisse un peu. Je vais manger ça. Ça sera moins lourd. Un peu... Ça, 7 minutes. On nous refait un steak, 40 minutes. On sait qu'il y a des lapins, mais on s'en fout un peu. Ah, je vois pas là, peut-être comment faire. Je sais pas si on peut redescendre en fait facilement. Ça. Je pourrais faire demi-tour. Ouais, c'est par là. Nous, on n'est pas bon. C'est pas trop grave, on peut se balader un peu. Bon. C'est quoi qu'on entend? Ah, on peut peut-être descendre. Je sais qu'à des endroits, j'avais fait en sorte de descendre le long des montagnes. C'est un peu chaud, hein. Ouais, faudrait qu'on soit là. On peut peut-être revenir en arrière. Ce serait peut-être le plus sage à faire. Après, bon, là, il y a des arbres et tout ça. Hein. Il y a quand même pas mal de choses. Ça sera pour... Ça sera pour un arc. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller chercher. On a des flèches et on a un arc. Ouais, on va rester un petit moment là pour le temps que ça cuise et après on va partir. On va revenir en arrière. Parce que honnêtement, là on va vers le sommet en fait. On va vers le sommet. C'est pas vraiment le but. Alors, réchauffement, prenons 5 minutes. Donc, on va juste boire. On va y aller. Pu faire chauffer encore un autre, mais bon, la plupart du temps j'oublie de le boire avant que ça refroidisse, donc bon, bon. Mais ouais, on pourra passer là, pas très très difficile ici, sympa. J'aurais dû peut-être par contre garder les allumettes maintenant, je me dis. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va se débrouiller. On va être un peu fatigué. On va peut-être pas trop courir. Donc là, ça va, on a une torche plus réchauffement. On devrait pouvoir tenir un petit moment. Juste pas me faire attraper par le lourd, ça serait bien. Mais ouais, le chemin qu'on a pris, si je dis pas de bêtises, après ça nous permet de monter. Il y a des grottes et tout ça. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Comme j'ai dit, c'est pas très difficile hein, ici. Hein. Quand vous savez ce que vous êtes en train de faire. Pas mal de cadavres aussi partout par terre.
partout par terre. Okay. Ce qui est embêtant, c'est que bon, après les animaux reviennent petit à petit, hein, mais là, des fois, le loup en fait va tuer les deux. Il est quand même vachement proche des biches. Là. Après, on va pas trop en prendre. Okay. On va pas trop en prendre non plus. Parce qu'après, on va être plein. Enfin, déjà qu'on en a au moins, je sais pas, peut-être une vingtaine de chaque presque. Enfin, peut-être pas autant, mais on doit être proche. On doit être proche. Ok, par là-bas. Donc, on va peut-être pas tous les prendre. Le truc, c'est que plus on prend de choses ici, plus on va laisser de choses là-bas. Et ça, c'est le problème. Parce que nous, moi, je veux prendre beaucoup plus de choses là-bas et les ramener ici. Moi, c'est comme ça que je veux faire la chose. Donc, oui, c'est un problème. Théorie, c'est par là. Alors après, peut-être que je peux me gourer, mais ça m'étonnerait. C'est ce que j'ai vu. Ravin des échos. Je pense que c'est par là. Et derrière, si je dis pas de bêtises, ça commence à bifurquer en fait vers le mont. Mais le mieux c'est de passer honnêtement par la hauteur là, comme ce qu'on avait fait. Et après, vous faites en fait tout sur l'extrémité droite de la zone. Et vous crapahutez comme ça et vous montez, vous arriverez au sommet éventuellement. Après, il y a aussi des grottes. Je crois qu'il y a des galeries, si je me rappelle bien, dans les hauteurs. Ouais, c'est ça. Ouais, dans les hauteurs, il y a des galeries. Très bien. Ça. Surtout pour avoir le... Bon, d'accord, il n'y a même pas écrit qu'on changeait de zone, rien du tout. Surtout pour avoir l'entrée, en fait. Canyon descend. Ah, mais on passe même pas par de galerie. Tiens, je pensais que c'était qu'il y avait une grotte, en fait. Non, même pas. Alors maintenant, il faut savoir par quel côté je suis. Si c'est... On est sur le côté droit ou le côté gauche de la... du canyon, parce que les entrées n'ont aucun sens à chaque fois. Après, dans les deux cas, il faut aller sur la gauche. Dans les deux cas, c'est la gauche. Il n'y a pas trop de problème pour ça. Un peu froid, mais pas trop. Non, on va pas se péter une jambe. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Hein. Je sais quoi, il y a une forêt toute morte. Je crois qu'on est sur le côté gauche de la zone.
Alors, je crois qu'il y a un ours qui se bat. Attendez, j'ai entendu des pas. Ça avait l'air d'être des sabots. Enfin, des sabots. Vous avez compris quoi. Je pense pas que ça soit. Je veux bien savoir ce que j'ai vu. Parce que, enfin, non, ce que j'ai entendu plutôt. On a du bois. Quand... Ah, là-bas, ok, ça va, rien sert. Faudrait qu'on trouve un endroit pour se reposer. Alors, honnêtement, je me rappelle plus des endroits ici. Je me rappelle de la hauteur. De la hauteur où il y a des cabanes et tout ça. Mais en bas, je me rappelle pas. Je prends du bois parce qu'on va refaire du feu. Hein, bientôt. Voir presque maintenant. On va perdre la torche. Faire du feu maintenant, si on a ramassé pas mal de bois. Parfait. On peut aller là-bas, je me rappelle plus c'est quel pont là. En fait en hauteur je me débrouillerai un peu mieux. Ouais. Après je sais que vers le centre il y a un bel endroit aussi pour se reposer. C'est là où la plupart du temps je me mettais. Torche. Faire attention hein, parce qu'il y a des loups quand même. Hein. Il y a beaucoup de brouillard ici la plupart du temps. Enfin, je sais pas si c'est du vrai brouillard parce que là il n'y a pas trop de brouillard, mais là vous voyez que là c'est super épais. Donc je sais pas si c'est juste des petites zones en fait qui sont propices au brouillard ou pas. Je crois qu'on a des bois à couper au fond. On est à combien? 44 kilos. 44 kilos, c'est pas bon. Okay, on peut aller là-bas. Truc brisé, ça va. Tempête conduite, est-ce que c'était seulement la mine, l'écriture de l'invisible ?
Ah, ça, on n'a pas le temps, on regardera après. Mais je pense qu'il vous montre la mine d'or. Du coup, l'endroit où il y a le sac. Je crois. Bon, on va arrêter de ramasser des choses. En fait, je voudrais pouvoir me poser quelque part, en fait. Là, on ramasse tout n'importe quoi. Plus le poids, il est pas trop de notre côté. Je voudrais pouvoir ramasser un peu de bois à chaque fois pour pouvoir faire un feu. Donc ça pèse lourd. Ah, peut-être que ici je ferai, quand on trouvera genre un endroit où on sera tranquille, peut-être que je ferai une ellipse, comme ce que j'ai l'habitude de faire maintenant, où j'irai crafter en fait, tout, genre par exemple, comment ça s'appelle, toutes nos baies, tous nos champignons et tout ça. Parce que ça va prendre du temps, parce qu'on en a tellement. Ça va prendre du temps. Et après peut-être faire une... Oh la vache, tous les bois qu'il y a. Faire une récupération de bois. Genre un stock et tout ça. Oui, genre passer une journée ou deux à faire ça en fait. Enfin dans le jeu, hein, bien sûr. Pour éviter d'avoir le fer. Et comme ça, on peut explorer facilement. Je pensais à faire ça. Ah, ici, honnêtement, alors la zone est un peu difficile, mais point de vue nourriture, vous avez énormément de... Là, vous pouvez vivre, en fait, honnêtement, là, je crois que vous êtes tranquille, mais bon, il fait froid, vous êtes à l'abri du vent et tout. Je crois qu'il y a des lapins aussi, quelque part. Hein. Mais, ouais, vous avez vu qu'il y a des... des champignons partout. Il y a vraiment des champignons partout. Bon, là, c'est un peu absurde, par contre. Bon, là, ça devient, oui, complètement absurde. 47 kilos, c'est pas bon. Bon, on n'est pas trop fatigué, ça va, mais bon. Mais là, oui, on a plein. Là, on peut faire, je sais pas, un carquois de 150 flèches, un truc comme ça, sûrement. À la limite, oui, pour faire des flèches aussi. Enfin, des fûts de flèches. Pour faire des fûts de flèches, je dirais pas non. Pour faire bah, une pause, en fait, pour ça. On va commencer à taper dans les torches à 100%, je voudrais pas. Alors si jamais on arrive à bifurquer en fait vers le centre, honnêtement, je crois qu'on va être tranquille là-bas. C'est où il y a la petite cabane. Alors il y a beaucoup de loups. Ouais, il y a des loups. Enfin, beaucoup. Ouais, il y en a quelques-uns, quoi. Il y a des meutes, en fait, ça le problème. Ici, de temps en temps. Ils sont à 3 ou 4 ensemble. Et ils tournent ensemble, en fait. C'est très rare de tomber sur un seul loup, ici. Ok, une grotte. Être pas mal. Je crois que ça c'est des grottes qui ont été modifiées. Ouais. Maintenant vous avez chaud. Parce qu'avant il y avait une... quand la zone était sortie, il y avait des grandes grottes comme ça. Parce que ça c'était nouveau, ça n'existait pas en fait des grandes grottes comme ça avant que cette zone apparaisse. Et vous aviez froid à l'intérieur. Alors moi j'ai joué comme ça quand on avait froid à l'intérieur, c'était fun. Mais après, ils les ont modifiés, donc maintenant vous pouvez vivre à l'intérieur. Sans vraiment trop de problèmes. Par contre, on va peut-être faire demi-tour et se reposer, parce que honnêtement, je sais pas. Le feu, on va le laisser mourir. Je pense pas qu'on en ait besoin.
peut peut-être se revenir en arrière et aller dormir dans la grotte. Je sais pas, faut que je vois où ça mène en fait. On n'a pas des masses froides quoi. Il y a des méchants pas beaux. Vous entendez tous les hurlements d'affilée? Hop, ça marche. Alors, on va avoir froid. On va aller dans la grotte. On va aller dans la grotte. On va se réchauffer. Comme ça, on sera tranquille. On va se reposer. Faut que je fasse le tri de mon inventaire. Ouais. On va retourner à la grotte. Avance. Putain, je l'ai pas passé, non. Je faisais pas trop attention. Starting to feel numb. Ok. Pas en théorie, si on est tranquille. Hein. Pas de problème. Jamais eu de problème de dormir là-dedans. Et on a chaud, ça y est. Parfait. Ok. On a chaud. On est bon. Alors. Voyons voir. On en a 13. Oui, non, c'est complètement abusé. 26 bois. On va arrêter d'en prendre. On a encore 4. Ok, ça marche. Attends, est-ce qu'on peut... Parfait, grotte. Ouais, c'est la mine d'or. Ouais, c'est ça. C'est la mine d'or, c'est où c'est que je veux aller. C'est exactement où je veux aller. Alors, nous, on est là, du coup. Ah. Je vais être honnête, je sais pas vraiment où ça va... Où on va tomber. Parce que nous, on venait de là, on a fait ça. Là, peut-être, on a fait ça. Ouais, j'ai un doute. Je sais pas. Il va falloir qu'on continue, de toute façon, et qu'on... Qu'on aille combattre les loups. Faudra passer de toute façon. Passer en force. Alors, on va voir un peu. Manger ça. C'est ce qui prend le plus de place. Très bien. Un peu d'eau. Bien. Gardez quand même l'arc à la main, juste au cas où. On s'est baissé aussi au cas où. Donc là, on a 2 x 50 pour 450 de calories. Il va falloir les utiliser. Après, non, ça va. Après, on n'est pas très très lourd, honnêtement, avec toutes les calories qu'on a sur nous. Non, honnêtement, on est tranquille. Les vêtements, on n'a rien récupéré de spécial. On a 3 kilos. 3 kilos 5. Ouais, on a juste un peu trop de nourriture en fait. Et de bois. Évidemment. Non, ça ira. Je sais pas trop quoi faire. Est-ce qu'on dort maintenant? Non, on va pas dormir maintenant. Apparemment, ce qu'on peut faire, c'est ça. Là, ça sèche. Très bien. Bien. Alors on va passer un peu de temps. On va passer un peu de temps à préparer des petits trucs. Rien de très spécial, mais on va passer un peu de temps.
avant de dormir. Comme ça, on pourra faire la nuit et on sera bien. Genre, on dormira ouais, dans quelques heures. Quoi. On peut se permettre, en fait. Très bien. Par contre, on voit strictement rien à l'intérieur. Ouais, pour être honnête, moi non plus, je vois pas quelque chose. Ça, on va bientôt le finir. Très bien. Alors, on n'a pas trop d'eau. Il nous reste un peu moins de 2 litres. Mais on a encore des tisanes. Bon, ça, on va pas le boire. Parce que le bouleau, c'est rare. Mais ça, on peut le boire. Et après, on a encore ça. Pêche au sirop, 2x2. On a une boîte de sardines qui donne de l'eau. Ouais, non, ça va. Ça va, ça va. Ça me faisait un peu peur au début, mais non, en fait, ça va, on se débrouille bien. Il n'y a pas trop de... Le temps est clément pour le moment. Ça va. Ouais, on va dormir. Ouais, on va dormir. Alors... Voilà. Et après, on récupérera tout. Tout le bois que j'ai laissé par terre, on le récupérera. Bah, nickel. On va dormir. 9h. 8h. Alors, fais voir un peu. Est-ce qu'on peut dormir encore une heure? Non. Ramasser. On va boire ça. Manger ça, pardon. Voilà, très bien. À 15. Ouais, on a qu'à y aller, ouais. Allez, on y va. Ouais, je sais. Je crois que j'ai tout. On est à 43, c'est normal. C'est normal. On peut pas faire autrement. C'est parti. On a notre sac de couchage, on a nos bois. Allez, c'est parti. Ah, il fait froid par contre. En théorie, on devrait faire du feu et tout. Je vois rien en fait. On aurait dû peut-être attendre encore un peu. On aurait dû peut-être attendre. Peut-être partir un tout petit peu trop tôt. Ah tiens! On a chaud ici, bizarrement. Pourquoi on a chaud ici? Très étrange. Bon, enfin, non, il fait pas qu'on... c'est pas qu'on a chaud, c'est qu'il fait moins froid. C'est ça le truc. C'est récent. Genre c'est un endroit précis en plus, je crois. Ah non, c'est tout ouais, à l'intérieur de la grotte en fait. Ok, sympa. Ouais, vous voyez, faut toujours regarder un peu. Il y a des endroits comme ça. Juste pour qu'il fasse un peu plus jour. Ah, c'est bon, on est au fond. Allez, let's go. Là,
faire attention au loup. Beaucoup. On a beaucoup. Vous savez ce qu'on va faire? On va prendre la corde directement. On va prendre la corde directement. C'est... J'ai envie de dire c'est dangereux. Faut que je retrouve l'endroit où on peut se réchauffer. Oui. Je vais être honnête, je suis un peu perdu sur, sur où on est. Alors, on va se mettre où on avait chaud. Ouais, c'est ici. En plus, elle ralentit. On va se mettre où on avait chaud. On va faire ça. Pourquoi tu veux pas? Mais ici, non, ici ça passe. On va faire un truc. Je sais pas ce que ça va nous donner, mais on va le faire. On va le faire. Donc on va dormir pour se réchauffer et surtout pour augmenter notre résistance là. Et on va peut-être boire même un café et on va prendre la corde directement. Dormir. Ça, on jette. Ça, on jette. Ok, let's go. Let's go. On va peut-être prendre un café. Pas sûr. On va voir. Je vais être franc, je sais pas vraiment où on est. Hein. Là j'avoue. Hein. Je sais que si je veux aller sur la droite, ça va nous ramener sûrement au centre de la map. Et on peut se poser et tout ça. Mais honnêtement, si on peut directement aller à la mine et récupérer le sac, je dis pas non. Hein. Je dis vraiment pas non. On a des crampons, donc honnêtement, je me dis, ça passe quoi. On a des crampons, ça va.
Vous avez vu, à droite, notre barre d'endurance descend quasiment pas. Après, on pourrait même faire des pauses, mais honnêtement, je crois qu'on n'a pas besoin. On a vraiment pas besoin. Ouais, non, avec les crampons, c'est nickel. Honnêtement, il n'y a vraiment pas de problème. Ça va. Ça aussi, ça serait tellement bien qu'on puisse gagner de l'expérience en prenant les cordes. Genre on devient de plus en plus fort et tout, on consomme moins de d'endurance. Par contre, faut trouver un endroit pour se mettre à l'abri. Oh, so cold. Il y a plein des trucs. Des boulons. Je dois dire, je suis un peu perdu là. On va aller là. C'est gros celui-là de boulot. Ça a l'air d'être de plus en plus petit, donc ok, là on a une carcasse, c'est bien. On fait de la nourriture. Ce serait pas une grotte. Putain, je vois strictement rien. Là, je suis en train de descendre en fait. Je cherche tout simplement une grotte. Je suis en train de redescendre, je sais pas où, je vais être franc. Je suis en train de redescendre, mais je sais pas vraiment où. Bon, après, on peut tenir encore un peu, hein, c'est dans le froid. Faudrait pas que. On va pas que ça dure 300 ans quand même. Ah, je crois savoir. Du coup, on serait retombé sur l'entrée en fait. Je sais pas. Appui du pilier. Prendre un peu de hauteur. Je pense qu'il y a une grotte pas loin, si je pense savoir où on est, mais je suis pas complètement sûr en fait. Pam, palala, pam, pam, pas de panique, pas de panique. On va bien trouver quelque chose. Le problème dans les blizzards, c'est que peut-être que là, il y a une maison genre juste à côté, mais on la voit pas, quoi. C'est un peu bizarre. Donc, c'est un peu le côté frustrant. On va bien trouver quelque chose. Quelque chose, un abri.
Attendez, j'ai fait demi-tour. Je crois que j'ai fait un cercle. Faire des petits sprints en descente, comme ça on gagne du temps. Ah ben voilà. Vous voyez, on trouve toujours quelque chose dedans. Alors est-ce que c'est habité par un... Ah, quitter le canot de descente. Ok, je sais où on est. Je sais exactement où. Ça va. Grotte canot de descente. Enfin, quoique, j'ai envie de dire, potentiellement, je sais où. On est... Parce que si c'est la grotte du canyon de descente, en fait, non. Je sais pas où on est. Mais... Ah. Je vais voir la carte. Alors, nous, on est monté... Là. Et je crois que ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a, on a refait ça. Mais on a, je pense pas qu'on ait assez couru, marché... pour se retrouver là, parce que je sais qu'il y a deux entrées en fait au canyon, il y a une entrée là, une entrée là. Là c'est la grotte en fait, donc je crois qu'on a pris une des grottes qui fait le tour comme ça. Donc on n'est pas très loin de la mine d'or. On n'est pas très très loin. Vous savez quoi, vu qu'on est fatigué, on va mettre le lit et on va dormir un tout petit peu. Et ça va mettre fin à notre épisode. On peut aller visiter la grotte, peut-être qu'on verra. Je vais voir ce qu'on fait la prochaine fois. Mais ça va, on est tranquille. On a plein de... On a plein de calories, il n'y a pas de problème. On peut durer encore un bon moment. Donc il n'y a pas vraiment de problème. Voilà. Ah, c'était, c'est mouvementé, hein, parce que là, on est un peu... On a pris une corde et tout ça. On a, ouais, on y est allé un peu franco, mais ça va. C'est, ça nous récompense. À la prochaine, portez-vous bien. Et... On verra si on arrive à se sortir de ce petit pétrin. À la prochaine, ciao !